intelligence dans le combat. Parce que quand on parle de principauté, certaines personnes ne saisissent pas la notion. Alléluia. Donc, dis-nous quelque chose qui peut nous permettre d'avoir une idée sur les principautés. Que la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et je me nomme Benoît Cassi Innocent Louis. Et ayant pour faisait des disciples le pasteur Makibus, de la zone de Port-Boyé. Et le témoignage que je vais rendre, c'est déroulé en 1999, l'année de ma conversion. Et effectivement, j'ai été dans la sorcellerie et je l'ai tout appliqué. Et il y a eu beaucoup de combats spirituels dans lesquels j'ai été vraiment très oppressé, au point où j'allais devenir fou, le délire. Et en 99, j'ai rencontré une femme qui est maintenant une sœur, la sœur Mala Hortense. Et c'est elle qui m'a introduit dans ce ministère. Et c'est dans ce ministère que j'ai croisé Jésus-Christ. Et quand j'ai rencontré et que je lui ai soumis le problème dans lequel j'étais, on a prié ensemble. Et cette même nuit-là, en 99, mes yeux se sont ouverts. Et je me trouvais à la résidence aboutie à Koumassi. Mes yeux sont ouverts sur le monde spirituel vers 23 heures. Et je voyais tout ce qui se passait autour de moi. À Koumassi, à même pas à Mokoni, il n'y avait plus de frontières. Et j'entendais toutes les prières qui étaient effectuées. Et ces prières étaient des gens, délivre-moi de la sorcellerie, Seigneur. Délivre-moi de la sorcellerie. Et je priais. Étant couché, les yeux ouverts, je priais pour que Dieu les délivre. Étant dans le péché, je n'avais pas encore cru. Et c'est dans cette période-là, une nuit, pendant que j'étais endormi, dans la chambre avec mes frères, un esprit est venu. Il m'a réveillé. Et il m'a demandé de le suivre. Je l'ai suivi et c'était tout mon être entier qui s'était levé. Et je voyais mes frères qui étaient touchés. Et il m'a montré un fruit. Il a ouvert le couvercle de ce fruit. Mais avant, il m'a demandé de nager dans une boue qui était près de ce fruit. Et la boue semblait la boue des cochons. Et je me suis botté dans cette boue. Et ensuite, nous sommes entrés dans ce fruit. Nous sommes descendus dans les profondeurs de la terre. Et pendant qu'on y descendait, il y avait cette puanteur-là, l'odeur de cadavre en décomposition. Et je voyais des tombeaux, des gens, des casiers en terre. Et il était très noir. Par moments, on voyait un peu de lumière. Il y avait des crânes humains qui étaient accrochés sur des pics. Et on descendait, jusqu'à ce que nous rencontrions une femme. Il était assis sur un trône, très élevé. Et celui qui m'a conduit m'a présenté à cette femme. Et elle a dit, « Enfin, te voilà. Je t'attendais depuis longtemps. Sais-tu que tu es destiné à être mon mari ?» Je lui ai dit, « Moi, ce n'est pas moi. » Et j'ai fait demi-tour, j'ai pris la fuite. Et elle a ordonné qu'on me sévisse. Et je courais de toutes mes forces. Jusqu'à ce que je vois une lumière. Et c'est cette lumière-là que je suivais. Jusqu'à ce que j'arrive près de l'ouverture qui était propulsée. Hors de ce puits. Et j'ai vu une main blanche tenir le couvercle, fermer le puits et la sceller. Dans cette période-là, je
Dieu pour que pour qu'il me délivre la sorcellerie. Je crie à lui. Je crie à lui. Et quand elle m'a présenté au pasteur Meunier, pour la première fois, le pasteur Meunier m'a demandé si je savais lire. J'ai dit oui. Et il m'a orienté à lire la Bible, le livre de Jean. Il dit, si tu crois en les paroles qui sont écrites, tu seras sauvé. Et j'ai cru à ces paroles. Pour la quand je suis allé à la maison, j'ai ouvert la Bible. Pardon, avant d'ouvrir la Bible, je suis allé me coucher. Vers 23 heures, il y a eu un autre combat. Il faut dire que dans mon sommeil, là, quand je dors, je ne dormais plus dans mon corps. Toutes les nuits, je dormais hors de mon corps. Parce que j'étais en perpétuel combat. Donc mon corps est là et je suis juste à côté, assis, regardant mon corps et puis d'être prêt à dormir. Toujours prêt à me défendre. Et c'est dans ça que j'ai eu la visitation d'un, pas quelqu'un qui est vivant, un aveu, une personne qui est morte depuis longtemps du village, qui était venu m'agresser. Parce que c'était la nuit comme que je quittais leur camp pour aller dans le camp du Seigneur Jésus-Christ. Et on a eu une course poursuite dans la maison. Et à mon réveil, vers 2h du matin, je suis descendu au salon. L'Esprit m'a dit que si je coûtais le pasteur et que je coûte cette femme, à ce moment-là, je vais mourir. J'ai dit, je vais descendre. Je sais ce que le pasteur m'a dit. Si je meurs, j'irai au ciel. Quand je suis descendu de l'escalier au salon, j'ai ouvert la Bible, j'ai commencé à lire, mais il était très difficile. Mon esprit était fermé. Et quand je forçais, j'avais très mal à la tête. Et je me suis dit que ça c'est long. J'ai fermé le livre et je me suis rappelé en 98 d'un livre que j'ai lu. Le livre, j'ai fait le nom, c'est un pasteur coréen. Et quand il arrivait sur la présentation des trois esprits qui régissent le monde, l'esprit humain, l'esprit de Dieu et puis l'esprit diable, comment entrer en contact avec ces esprits? J'ai fermé ce livre en 1419. J'ai dit, mais si ce livre tombe dans la main d'un sorcier, de n'importe qui veut développer la sorcellerie, là, il sera sorcier tout de suite. Et j'ai fermé. Mais le petit bout de lettre d'écriture que j'ai lu est resté. Et en 99, je suis descendu au salon, je me suis rappelé de ce procédé. Je suis descendu, j'ai croisé mes pieds et mes mains, la forme des bouddhistes. Et pour la première fois de moi-même, je suis sorti de mon corps. J'ai dit que je devais aller rencontrer personnellement Dieu. Parce que cette histoire est trop longue, il faut que j'aille directement vers Dieu. Frère, j'étais ignorant. Mon arrière allait me déraciner. Et quand je suis sorti de mon corps, pas très loin du ciel, j'ai rencontré un niveau où il y avait beaucoup d'esprits qui étaient en mouvement. Et je suis arrêté devant un esprit qui était puissant et qui était entouré de ténèbres. C'était la forme de carré. Il était dedans. Et dès que je suis arrivé à ce niveau, il a dit, tiens, te voilà, je t'attendais depuis longtemps. Te voilà maintenant. Et il y avait un autre esprit qui était venu. Il a entré dans ces ténèbres pour lui faire le rapport de toutes les courses qu'il a fait dans le monde. Et il lui a dit, non, je n'ai pas le temps. Après, parce que je suis occupé. Quand il a fait le parler à cet esprit, moi, Michel Bessé a dit, je n'ai pas affaire à toi. J'ai affaire à Dieu. Et je l'ai laissé. Et j'ai continué mon ascension. Quand je suis arrivé à son niveau, pardonnez-moi, j'avais oublié cela. Quand je suis arrivé à son niveau, l'Esprit m'a dit, ah, tout cela, je t'attendais depuis longtemps. On doit maintenant travailler. Je lui ai dit, je lui ai répondu, je n'ai pas d'affaire à toi. Je crois dans mon Dieu. Et j'ai continué mon ascension très haut dans le ciel, jusqu'à ce que j'arrive sur une plateforme. Et je savais que là demeurait Dieu. Et j'ai tapé. Il dit, Seigneur, descends. Descends, je sais que tu es là, c'est toi que j'attends. Tant que tu ne descends pas, moi je ne descendrai
pas, je resterai là. Et j'ai passé pendant que je suis resté là pendant longtemps, aucune réponse. Je suis redescendu. J'ai rencontré ce même qui m'attendait, mais je ne suis pas compris de lui. Je suis rentré dans le corps. Et je suis revenu à moi. Quand j'ai rencontré le pasteur m'a demandé une colère vraiment terrible. Et il a dit ceci: j'ai eu la chance, Dieu pouvait me frapper. Et puis je n'avais plus jamais touché dans mon corps. Gloire à Dieu. Et après cette rencontre-là, j'ai reçu Jésus-Christ. Et je vais m'arrêter là. Amen. Dans ce témoignage, il ressort que mon frère a rencontré une personne, une des amies, une autre des dieux célestes. Et les dieux veulent travailler avec lui. Quand vous entendez qu'il y a des faux prophètes, et puis les gens donc ils prophétisent, certains pensent que c'est le jeu. Si ce frère, vous voyez, vous pouvez aller vous saluer. Il est un être humain, il est un frère artiste. S'il avait accepté de travailler avec cet esprit-là, il avait dépassé tous les faux prophètes que la Côte d'Ivoire a fait. Est-ce que vous me suivez bien? Cette armée-là allait être avec lui. Il allait se lever, même l'Afrique, même l'Europe, même le monde. Donc, la personne de votre monde, s'il avait accepté de travailler avec cette femme, ça allait être une autre histoire. Mais il allait mourir et aller à l'enfer. Ceux qui le suivaient, ou alors ceux qui l'avaient suivi, mouraient et allaient à l'enfer. Donc, quelle personne vous trouve? Quand vous entendez les balam, c'est des esprits, il y a des esprits puissants qui sont derrière les faux prophètes. Donc, je lui disais qu'il est sorcier, parce qu'il était en contact avec un prophète, avec les disciples d'un prophète. Je lui ai dit, et les disciples de ce prophète lui disaient: viens, on va travailler. Pour eux, il est un homme de Dieu. Puisque c'est le même esprit. Je lui ai dit, si tu vas même dépasser le mec, c'est la sorcellerie, n'est pas. Il a obéi. Mais il est parti, dit à Dieu, je vais te voir. Il est monté, il a rencontré un esprit puissant dans les lieux célestes. L'esprit dit, voilà, on va travailler. Il a refusé. C'est ce qu'il a sauvé. Parce que dans le monde spirituel, quand tu ne veux pas, on ne peut rien. C'est pour cette raison que la renonciation à la sorcellerie est efficace. Quand tu dis je refuse d'être sorcier, c'est authentique. Personne ne peut te toucher. Mais si tu doutes, certains parmi eux qui sont gentils, tu dis à quelqu'un que selon l'essence que tu fais là et ton histoire, tu es sorcier. Il dit non, moi je suis gentil, mes parents sont jolis, et tout ça. Bon, tu vas rester avec. Mais quand tu as le discernement, que tu es capable de reconnaître toi-même, ça là, je ne suis pas normal. Si tu dis je refuse, ça va dans les abîmes, ça sort, ça monte, ça parcourt la terre, tout ça que tu es plus dedans. Amen. Est-ce que les gens, quand il a fui, il était encore dans le monde, sans repentant, mais Dieu était content. Il a envoyé un ange fermer la Bible. Il faut qu'on ne le touche pas. Juste le temps pour qu'il rencontre les disciples de Jésus. Alléluia! Vous savez, dans les années 90, j'ai élevé 5 prières que j'appelle les prières pastorales. Le premier sujet, c'est: oh Dieu,
qu'il ne soit jamais dit de moi, voilà l'homme qui est venu l'éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Il ne le trouvera jamais. Après, j'avais pitié des femmes parce que j'ai vu les hommes tromper les femmes. Il y avait un homme, je connais un homme malade, chronique. Il y avait des maladies, mais il cherchait les femmes. Je me suis dit, il distribue les maladies. Quand je pense à ce garçon, je me dis, les femmes sont malheureuses. Il est vrai qu'il y a aussi des mauvaises femmes qui distribuent les maladies. Mais ma compassion était orientée vers les femmes. J'ai dit, Seigneur, fais de moi un homme, quel que soit une jeune fille tombe entre mes mains, qu'elle oublie le monde. Après l'autre, c'était Seigneur, permets que là où je suis, là ton nom soit glorifié. Il y avait un autre sujet. J'ai dit à Dieu, fais-moi voir ta gloire. Pas comme à la manière de Moïse. Fais-moi voir des milliers de personnes prosternées devant toi pour t'adorer. Je ne savais pas que ça allait m'amener à être missionnaire. Parce que pour voir des milliers de personnes prosternées, il faut que tu sois la conquête. C'est à Yamsoukro que Dieu a exaucé cette prière. Il y avait plus de 2500 frères. Ils étaient debout, le président m'a donné le micro, il me dit, voilà l'armée à dans la conquête. Quand je devais prier, Dieu me dit, tu m'avais demandé de m'aider les personnes de voilà. Et ils étaient debout. C'était à la fin de la convention. Et les frères, dans mon esprit, je voyais la gloire des frères. Alléluia. Et le cinquième sujet, Seigneur, fais de moi un homme sur le sol duquel tu peux placer les nécessités. Mais je voulais que Dieu me rende utile pour lui. C'est pour ça qu'il m'a amené ce petit-là. Quand il voit que quelqu'un est coincé, quand il cherche ses enfants à qui confier certains dossiers, je suis parent. Tu ne dois pas vivre sur la terre pour manger le placard. Prie que Dieu te recrute, qu'il t'enrôle, que tu sois un élément de son âme. Et c'est pour cette raison que je vous ai dit, si vous avez des parents sorciers, dites-leur de donner la vie à Jésus et amenez-les. Nous allons les délivrer. Donc, tu dois te réjouir. Et tu dois croire que si tu dis j'aime Jésus, c'est Dieu scelle ça, il marque ça de son souffle. La parole humaine a une puissance. S'il était resté passif, il n'avait pas été délivré. Dans le monde spirituel, tu parles. Quand tu ne veux pas, tu dis je ne veux pas. Donc on ne peut pas te forcer. Est-ce que nous sommes assis? Amen. Tu vas refuser cette nourriture-là. Tu dis je ne veux pas. Tu dis j'aime Jésus. Je préfère être l'esclave de tous les frères, travailler sans salaire que de servir le diable dans la société. Là, il va comprendre que tu es sérieux. Je dis, je préfère être même célibataire jusqu'à ma mort que d'avoir pour mari un démon. Là, il comprend que Dieu est Seigneur. Prenons nos Bibles dans le livre des Proverbes, chapitre 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Amen. Continue. Verset 22. La mort et la vie
sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Amen. Par ta parole, tu peux devenir riche. Par ta parole, tu peux devenir pauvre. Par ta parole, tu peux signer des pactes, des alliances. Par ta parole, tu peux dire oui. Par ta parole, tu peux dire non. Par ta parole, tu peux planter. Par ta parole, tu peux arracher. Par ta parole, tu peux bâtir. Par ta parole, tu peux démolir. Alléluia. La Bible dit que les gens étaient étonnés de ce que Jésus chassait les démons par la parole. Sans encens, sans baguette. Ils disaient, bon, sort le démon, sort. Les gens, il y avait des exorcistes. Mais trouver quelqu'un qui dit à l'esprit sort, et dit au vent, tais-toi, le vent s'éteint. Il n'avait jamais vu ça. Alléluia. Amen. Et c'est notre héritage. La parole de Dieu dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous en pour faire quoi? Pour détruire les œuvres du diable. C'est là où tu devais dire amen. Mais c'est sur ta langue, sur ta bouche. Tu peux rester muet comme tu peux parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Donc nous allons nous tenir debout. Si tu n'as plus de victoire, tu dors. Pendant qu'on pense que tu es mûr, mais tu manges en son, tu fais des choses. Les sorciers même jouent avec ton âme. Il faut revenir. Est-ce que nous sommes ensemble? La délivrance est une arme. C'est comme la prière. Tu ne peux pas dire j'ai déjà prié il y a de cela 10 ans. Non. La prière, c'est chaque jour. Quand tu étudies la Bible, tu vas remarquer que après plusieurs années, certains ennemis se levaient et disent, pour aller récupérer le territoire perdu depuis des années. Et la guerre recommence. Si on les frappe, ils s'enfuient. S'ils réussissent, ils arrachent. Et la Bible dit, notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Donc, que personne ne te trompe. La vie chrétienne est une réalité. Les combats sont des réalités. Donc, il y a quelqu'un qui est là. Il cherche la porte. Il cherche la porte. Il ne trouve pas. Il ne te touche pas. Il sait que tu appartiens au lion de la tribu de... Que si ton œil l'aperçoit, tu vas frapper. Donc il sait qu'il ne doit pas te toucher. Dans le peuple d'Israël, il y avait des vaillants hommes. Un prend l'épée et la lance. Un seul prend la lance et tue 800 personnes. Vous voyez une telle puissance? Est-ce que vous voyez? Donc les Philistins savaient que ces gens-là, il ne faut pas les attaquer en désordre. Ils avaient déjà perdu beaucoup de militaires, beaucoup de combattants. Et ils ont donc commencé à utiliser la sagesse et la ruse. Alléluia.
Là où tu es, tu peux casser tout, toi seul. Donc quand le diable veut t'attaquer, il calcule, il rôde. Il peut passer 2 ans, 3, 4, 5. Après, il commence à s'éloigner de toi. Résister au diable, il fuira loin de toi. Quand il voit que tu es dur, il commence à s'éloigner de toi. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu es un enfant de Dieu. Amen. C'est Dieu qui l'a déclaré. Et la Bible dit que Jésus est venu nous racheter de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres, des idolâtries criminelles. Il faut dire que tu ne veux pas ce culte-là. Certains d'entre vous ont été prédestinés par les sorcières, étaient des héritiers. Tu vas dire que héritier de quoi? Il y a le diable là quoi? Quoi? Tu dis au nom de Jésus. Je dis non. Je me souviens du frère Baudet. On a piqué derrière son dos. Il regarde son père, il dit et l'héritage. Quel héritage? Un enfant de Dieu, quelqu'un qui a des trésors dans le ciel, toutes sortes de richesses spirituelles. Et puis tu lui dis, il y a un petit canari là-bas avec l'eau sale dedans, c'est ton héritage. Tu laves le visage avec, tu auras la chance. Tu cherches même ceux qui ont lavé et qui ont eu la chance, tu ne les vois pas. Dieu, au nom de Jésus. Je proclame que je suis élu à être saint, irrépréhensible devant Dieu. Je suis prédestiné à être un enfant de Dieu par adoption par le sang de Christ. Je dis non à la sorcellerie. Je refuse d'être sorcier. Je refuse même tout ce qu'ils ont réservé pour moi. Je ne donne même pas à quelqu'un d'autre. Je détruis. J'en donne. Que la terre s'ouvre, qu'elle engloutisse. Et prenez le cas des petits enfants au sérieux. La sœur Éléonore, son enfant avait 6 ans. On l'a initié, on lui a dit, va tuer ta mère. Quand il a raté, ils ont voulu le tuer. Il a dit à sa mère, je suis malade parce que on m'a envoyé pour te tuer. Comme je n'ai pas réussi, ils veulent me tuer. Après quelques heures, il a commencé, il est tombé dans le coma. Il délirait déjà. Le docteur Cyprien m'a appelé, dit, la médecine a déjà fait ce qu'elle peut faire. Là où nous sommes arrivés, la science s'est déjà révélée limitée. Viens. Je suis allé, je vois le petit. J'ai dit à son père était catho. Je lui ai dit, or, l'Esprit m'avait révélé sur le champ que pour sa délivrance, il faut que son père et sa mère posent la main sur lui, le consacrent à Christ et puis on le délivre. C'est au sud-là que son père donnait la vie à Jésus. Alléluia. Tout ce qu'on a planifié sur mon nom. Tout ce qu'on a fait en mon nom, sans me consulter. Toute incantation, tout enchantement, tout sortilège, tout ce qui caractérise le monde des sorciers, je
dis non à tout cela. Jésus m'a choisi. Je dis oui à Jésus. Je veux servir Jésus tous les jours de ma vie. Je veux servir son corps qui est l'Église. Je veux m'abaisser pour que Jésus soit élevé. Je veux donner ma vie pour que mes frères grandissent en Christ. Car il est écrit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Jésus a dit, si vous vous aimez, c'est alors que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Je veux servir Jésus dans l'amour, avec un cœur rempli d'amour pour Dieu et pour les frères. Je ne serai pas un mauvais frère. Je ne serai pas un traître. Je serai un adorateur jusqu'à l'avènement du Seigneur. Jusque dans l'éternité. Je refuse ce que les sorciers. Écoute, je refuse ce que les sorciers croient être bon. Et je refuse ce qu'eux-mêmes savent que c'est mauvais. Je proclame que le diable n'a rien de bon. Le diable ne vient pas pour protéger. Il vient pour voler. Il vient pour détruire. Pour tuer. Pour égorger. Dit, nous entendons des cris chaque jour. Des pleurs. Des douleurs. À cause de la méchanceté de Satan. Et de son armée. Nous sommes avec Jésus. Pour le salut du monde. Pour le salut des âmes. Pour la persévérance des saints. Dis au nom de Jésus. Je refuse toute position dans la sorcellerie. Je refuse tout poste. Tout poste. Je refuse les fonctions. Les fonctions. Je refuse tout ce qui est manifeste comme des chaises royales. Je refuse les petits honneurs, les petits honneurs sociaux qu'on donne à certaines personnes. Les petits rangs dans les cérémonies. Des rangs honorifiques dans les cérémonies. Je les méprise. Je ne peux pas donner mon âme pour la vanité. C'est la vanité, la vanité, la vanité. Car il est écrit, que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Dis, je refuse de perdre mon âme pour les petites boissons lors des cérémonies des funérailles. Je refuse de perdre mon âme à cause des petits morceaux de viande qu'on donne aux sorciers en guise de reconnaissance. Je n'ai pas besoin de ça. Jésus m'a donné son corps. Dit, quand je romps le pain, je communie avec le corps de Christ. Quand je prends la coupe, je communie avec le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je ne serai jamais en contact avec l'esprit des démons. Parce que j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus. J'aime Jésus, j'aime Jésus.
J'aime Jésus, j'aime Jésus. Dis au nom de Jésus. Je déclare à tous les esprits humains qui me persécutent dans les songes, qui essaient de me ramener avec violence. Je vous déclare que je ne viendrai point. J'ai pris ma décision. Car Dieu m'a donné la volonté. J'ai la puissance pour vouloir. C'est Dieu qui me la donne. Et j'ai le pouvoir de faire et de refuser de faire. J'accepte Jésus-Christ. Je refuse la sorcellerie de tout mon être. Et je détruis tout ce qu'on a fait en cachette, à mon insu, je le détruis, je le détruis, je le détruis. Au nom de Jésus-Christ, je lave mon être dans le sang de Jésus. Tout ce qu'on m'a donné dans les boissons, tout ce qu'on m'a donné en dans la nourriture, j'ai vomi tout cela. J'ordonne à mes entrailles de tout rejeter au nom de Jésus-Christ. Et je chasse tous les démons qui étaient liés à ces enfoutements. Au nom de Jésus, je sanctifie mon corps. J'enlève de mon corps tous les objets d'envoûtement. Tous les objets d'envoûtement. Tous les objets, tout instrument, tout instrument, tout instrument, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Si on avait tiré sur toi, tu dis au nom de Jésus, j'ordonne à ces balles de sortir. Si tu avais rêvé qu'on a lancé un caillou sur toi, tu dis au nom de Jésus, j'enlève l'impact de ce caillou. Continue à prier pour toi-même. Écoutez. À Daoukro, j'ai appelé encore le missionnaire cet après-midi. Je voulais vérifier, parce que nous sommes dans la vérité. Alléluia. Il avait rendu témoignage un jour qu'un frère avait, quelqu'un avait mal au pied, avait une blessure incurable. Pendant le renversement des principautés de l'an passé, la personne voit en songe qu'un homme vient à vélo. Il lui dit, nous sommes venus retirer le pied qu'on t'avait donné. Et ils ont coupé le pied, ils sont partis. Et la blessure est guérie. Alléluia. Donc je voulais qu'il me confirme que cette guérison est toujours là. Je lui ai demandé, où est la vieille? Elle est là, elle dit oui. Et elle appelait, elle dit, c'est guéri. Aujourd'hui, ça fait un an. Donc, je ne sais pas ce qu'on a fait dans ton cas. Peut-être qu'on t'a donné un mauvais œil. Tu vas l'enlever. Tu dis, je n'attends pas qu'eux-mêmes viennent enlever. J'enlève ça. Qu'ils prennent leur œil là. Si c'est l'œil gauche, tu dis, qu'ils prennent leur œil gauche là. Je reste avec l'œil que je suis né avec. Donc, il y a donc des techniques d'envoûtement qui consistent à te donner un pied qui n'est pas ton pied. Donc tu traînes ça là alors que ce n'est pas pour toi. Les gens disent que mais il a une blessure qui ne guérit pas. Et le sorcier est content parce qu'il t'a humilié. Alléluia. Et vous verrez qu'après cette prière là, il y aura un autre type de guérison.
Si c'est le dos, tu dis j'enlève ce faux dos, le dos des sorciers là. Je l'enlève, je le jette par terre. N'attends même pas qu'ils viennent chercher. Alléluia. La vieille est guérie. J'ai appelé le missionnaire. Je voulais vérifier. Parce qu'il faut toujours vérifier pour que toi-même ta foi augmente. Pas qu'il y a le doute. Parce que nous sommes dans une œuvre qui veut produire des témoignages. Des choses comme Luc. Luc a vérifié. Ce n'est pas qu'il doutait. Il vérifiait l'authenticité du témoignage qu'il avait entendu de Christ. Donc, enlève, tu jettes, tu seras libéré. Au nom de Jésus. J'enlève la tête qui ne m'appartient pas. J'enlève le bras gauche qui ne m'appartient pas. J'enlève le bras droit, j'enlève les yeux, j'enlève les pieds. J'enlève tout ce qui ne J'enlève au nom de Jésus-Christ. Je jette ça, les amis. Au nom de Jésus, je me revais de ma vigueur, la vigueur que Dieu m'avait donnée. Je me revais de ma vigueur. Continue à prier pour toi. Dieu, au nom de Jésus, je me sépare de tout héritage qui porte mon nom, de tout objet qui porte mon nom dans le monde de dans la sorcellerie. Je proclame que les tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut de mon Père, le Père de lumière, qui ne change point et qui ne varie pas, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Continue à proclamer cela. Lève ta main droite. Dis au nom de Jésus. Je sanctifie le nom que je porte. Quelle que soit sa signification initiale. Je le sépare du monde. Je le sépare des fétiches. Je le sépare de la sorcellerie. Je le sépare des esprits de mort qui répondent du même nom. Je brise le lien de l'homonyme. Le lien avec mon homonyme ou mes homonymes. Je brise avec ceux qui sont vivants.
et je brise avec ceux qui sont dans le séjour des morts. Je proclame que quand on m'appellera, quand je répondrai, je répondrai pour moi-même. Et je ne représente aucun être humain sur la terre. Je ne représente aucun être humain qui est dans le séjour des morts. Et je vis de ce nom, de sa signification et son contenu démoniaque. Et je brise tous les liens malsains qui me lient aux esprits impurs à cause de ce nom. Continue à prier maintenant. Lève ta main droite. Dis, je condamne les pactes avec les ancêtres. Parce qu'ils n'ont pas été traités selon la volonté de Dieu. Je condamne les alliances avec les démons. Et je lève la main. Jésus a dit que si je dis à une montagne de quitter et de se jeter dans la mer, cela va s'accomplir. J'utilise cette autorité maintenant pour briser ces alliances, pour briser les revendications, pour fermer la bouche à ceux qui veulent revendiquer. Pour lier les langues, pour condamner toute langue qui essaie de réclamer quelque chose dans ma vie. Continue à prier maintenant. Dis, ô Saint-Esprit, déverse la guérison parmi nous. Maintenant, pose les mains sur ta tête. Tu exerces ta foi. Tu dis, je reçois le don de guérison. C'est-à-dire, pas le don de guérison, je reçois le don de la guérison. C'est-à-dire que Jésus te donne pour cadeau la guérison. Dis, je la reçois du Seigneur Jésus. Dis, Esprit Saint, opère ton œuvre, agis dans nos corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Redonne-nous la vie, redonne-nous la vie. Et reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Commence à prier en langue. Tu gardes les mains sur ta tête, tu pries en langue. Kalabala kasangara bakasangara 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 uru bakasangara bakasangara kabaka araga bakasangara bakarakasangara bakasangara kora bakasangara bakarakasangara uru baka de o Saint Esprit purifie, guérit, restaure, sanctifie. Continue à prier en langue. Kalabala kalabala Goba jerbaga
Amen.